Et c'est toujours un réel plaisir de se retrouver avec vous dans ce journal en version française de la TV Plus Madagascar. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour ce samedi 16 décembre, voici nos titres. Anja Duin, président de la République, a été sacré, comme l'exige la Constitution, durant la cérémonie d'investiture de ce jour, accédant par la même occasion à ses hautes fonctions de chef de l'État malgache. Le président a prêté serment devant 40 000 personnes au stade Baréa de Mamas et des millions de téléspectateurs dans tout le pays de défendre l'unité nationale et les droits de l'homme. Une longue file a pu être observée aujourd'hui aux abords du stade de Mamas. Les citoyens ont été nombreux à vouloir assister à la cérémonie d'investiture du président Anja Duin. Par crainte de ne pas avoir de place dans le stade Baré, certaines personnes ont commencé à faire la queue depuis vendredi dans la soirée. Deux stratégies sont mises en œuvre par le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation pour la promotion de l'industrie à Madagascar, dont l'incitation des investisseurs et des bailleurs de fonds à appuyer les entreprises et les industries à Madagascar et l'assistance sur site des industries et le soutien de proximité en faveur de la population. De nombreuses communes, notamment celles rurales, sont encore confrontés à des difficultés en matière de délivrance de certificats fonciers en raison du manque d'équipement selon les maires. Pour faciliter le travail du personnel de ces municipalités, notamment la délivrance de certificats fonciers aux propriétaires terriens, 291 communes ont bénéficié d'une dotation en matériel informatique. Entrons donc dans les détails de nos informations. Anja Duin, le président de la République, a été sacré, comme l'exige la Constitution, durant la cérémonie d'investiture de ce jour, accédant par la même occasion à ses hautes fonctions de chef de l'État malgache. Le président a prêté serment devant 40 000 personnes au stade Baré de Mamas et des millions de téléspectateurs dans tout le pays de défendre l'unité nationale et les droits de l'homme. Lors de sa première prise de parole en tant que président de la République, Anja Duin a dévoilé son programme de développement pour les 5 prochaines années, à savoir la promotion du capital humain, l'industrialisation et la gouvernance. Fitia Vanadoni, Yves Rassat, Omega Nevdon, assisté à la cérémonie. Devant Dieu, le pays et la population malgache, je jure d'accomplir dignement mes devoirs et ma responsabilité en tant que président de la République malgache. Je jure d'utiliser les pleins pouvoirs que l'homme a conférés pour défendre l'unité nationale et les droits de l'homme. Je jure de respecter scrupuleusement, comme la prunelle de mes yeux, la Constitution et les lois en vigueur. Je me dévouerai à œuvrer pour le bien de tout le peuple, sans exception. C'est en ces mots que le président de la République, Anja Duin, a prêté serment ce jour lors de la cérémonie d'investiture dirigé par la Haute Cour constitutionnelle. La Constitution stipule que le président élu doit prêter serment devant la HEC, les membres du gouvernement, les parlementaires, avant sa prise des pleins pouvoirs. Le président de la HEC, Florent Akoutouarsou, a ensuite acté les paroles du président Radzouil. Nous avons acté, comme l'exige la Constitution, votre serment, et nous déclarons officiellement qu'Anja Duin a été sacré président de la République élu. Il prend les pleins pouvoirs et sa responsabilité définie par la Constitution et les lois en vigueur pour diriger le pays à partir de ce moment, a prononcé Florent Akoutouarsou, le numéro 1 de la HEC. En respect de l'article 48 de la Constitution, Anja Duin, président de la République assermenté, a été décoré sous les ovations du public du grand cordon, la plus haute distinction honorifique réservée au chef d'État, et de l'étoffe
aux couleurs de la République par le général à la retraite Marcel Ranzev, grand chancelier de l'ordre national. Après la décoration du président, un hélicoptère arborant le drapeau malgache a survolé le stade Paréa. Le président Radziwill a ensuite été félicité par les membres de la HEC, par son épouse Mial Radziwill et par ses deux enfants, Arena et Ilnzo Radziwill. Les sceaux de la République ont ensuite été apposés sur le serment du président de la République. Andrzej Radziwill, numéro 1 du pays, s'est également adressé pour la première fois à la nation. Nous avons une vision, un plan et un programme qui s'articulent autour de trois piliers fondamentaux qui sont le capital humain, l'industrialisation et la gouvernance. L'objectif est de produire et de transformer à Madagascar tout ce dont la population a besoin au quotidien. Nous allons accélérer l'industrialisation du pays, améliorer le climat des affaires, former massivement nos jeunes et créer des emplois afin d'améliorer les conditions de vie, surtout des plus vulnérables. Aussi, face à la croissance démographique exponentielle, une priorité sera accordée à la facilitation de l'accès à la planification familiale afin de contribuer à l'amélioration du niveau de vie de chaque foyer. Par ailleurs, ce mandat sera marqué par une lutte active contre toute forme de corruption servant les intérêts individuels au détriment de l'intérêt général. 40 000 personnes ont assisté directement à la cérémonie d'investiture d'Andrzej Radziwill au stade Paréa. Elle a vu la présence des chefs d'institution, notamment celle de Nicolas Rabemananzar, président du Sénat. La présence de nombreuses personnalités étrangères lors de la cérémonie témoigne de la reconnaissance et de la légitimité de l'élection d'Andrzej Radziwill sur le plan international. À part les chefs d'État africains qui étaient venus à la cérémonie, les membres du corps diplomatique à Madagascar ont été au grand complet.
Une longue file a pu être observée aujourd'hui aux abords du stade Barré de Mamas. Les citoyens ont été nombreux à vouloir assister à la cérémonie d'investiture du président Andjazwil. Par crainte de ne pas avoir de place dans le stade Barré, certaines personnes ont commencé à faire la queue depuis vendredi dans la soirée. À 5h du matin, de longues files d'attente ont pu être vues devant les 5 portails d'accès au stade de Barré de Mamas. Dans l'ensemble, l'entrée dans le stade s'est déroulée sans incident. C'est un reportage de Gracien Diasitoué, Nomikar Nevzon et Marcelin Andjemoufounsi. De nombreuses personnes ont souhaité assister aujourd'hui à la cérémonie d'investiture du président Andjazwil. Vendredi soir, des personnes voulant faire partie des premiers arrivés avaient déjà fait la queue aux entrées du stade Barré de Mamas. Certains citoyens ont même quitté leur foyer à 4h du matin. Mais une longue file d'attente les attendait déjà sur place. Les membres de cette famille en particulier sont partis d'Andavamamb à pied à 4h du matin, mais la file d'attente arrivait déjà jusqu'au Toubrat-Simenjav. À 5h du matin, une des files s'étalait déjà jusqu'à Mbouzatouv, une autre au niveau d'Analakil, une autre encore atteignait la Djirama à Souniran, et la dernière file arrivait jusqu'à l'hôtel Carlton à Anous. Les gens ont accédé au stade Barré par 5 portails. Des bousculades ont eu lieu, mais les forces de l'ordre ont maîtrisé la situation. La plupart de spectateurs sont venus en famille. Ils sont venus assister à cette cérémonie par amour pour le président Andjazwil. Les portées du stade Barré de Mamas n'ont été fermées au public à partir de 9h30. Dans l'ensemble, l'entrée du public dans le stade s'est déroulée sans incident. Page économie pour continuer. Le secteur de la pêche dans la grande île est confronté à des défis significatifs, notamment à cause de la pêche illégale qui non seulement a un impact négatif conséquent sur l'économie de Madagascar, mais qui est aussi à l'origine d'un cercle vicieux en matière de gestion du secteur de la pêche. Madagascar, à travers le ministère de la pêche et de l'économie bleue, a officiellement exprimé son intention de participer à l'initiative ITA, une initiative mondiale visant à accroître la crédibilité et la qualité des informations sur la pêche au niveau national. Elisa Herman nous en dit plus. Le secteur de la pêche à Madagascar fait face à de nombreuses difficultés, notamment à cause de la pêche illégale non déclarée et non réglementée, de la surpêche, des financements illégaux, de la corruption et des décisions non conformes aux normes de gestion des ressources marines. Pour résoudre cette situation, le gouvernement doit faire de sa priorité la mise en place d'une bonne gouvernance et l'instauration de la transparence en matière de gestion du secteur de la pêche. En septembre 2021, Madagascar, à travers le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue, a officiellement exprimé son intention de participer à l'initiative FITI ou Fishery Transparency Initiative. La candidature de Madagascar a été acceptée par le Conseil d'administration international de la FITI le 5 décembre 2022, faisant de Madagascar le troisième pays au monde à obtenir le statut de pays candidat à la FITI. Au cours de l'année 2022, Madagascar a franchi les 6 étapes d'adhésion nécessaires pour soumettre sa candidature à la FITI dans la création du GMN, ou groupe multipartite national, composé de représentants du gouvernement, de ceux des acteurs dans le secteur de la pêche et de ceux de la société civile. Le GMN, formellement établi en septembre 2022, supervise la mise en œuvre de la FITI à Madagascar. La période couverte par le rapport FITI a été marqué par des transformations positives, notamment le gel de l'effort de la pêche en 2021, dont les effets se font encore sentir 2 ans plus tard. Des initiatives volontaristes telles que la soumission du pays à l'exercice de transparence des pêcheries, la facilitation des investissements et la lutte contre la corruption ont également contribué à améliorer la gouvernance de ce secteur. Il reste encore des défis à relever, notamment en matière de collecte et de publication des données sur les stocks, de réforme du régime foncier,
de gestion des accords et de licences pour accroître la transparence et de promotion d'un dialogue public-privé pour le développement durable de l'économie bleue. Des stratégies sont mises en œuvre par le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, la promotion de l'industrie à Madagascar, dans l'incitation des investisseurs et des bailleurs de fonds à appuyer les entreprises et les industries à Madagascar, ainsi que l'assistance sur site des industries et le soutien de proximité en faveur de la population. L'objectif principal étant de réaliser des investissements au bénéfice de la population pour que tout le monde puisse profiter des bénéfices générés, à commencer par les agriculteurs, en passant par les opérateurs économiques, par la population et enfin jusqu'aux structures étatiques, selon le ministre Edgar Zafnjava. Dans le cadre des efforts déployés par les différentes institutions gouvernementales pour promouvoir le développement durable de l'industrie à Madagascar, la loi régissant les investissements à Madagascar a été adoptée. Toujours dans cette optique, des accords industriels ont été signés entre le gouvernement et le secteur privé et le Fonds national de développement industriel a été mis en place. Malgré que de nombreux efforts aient déjà été déployés, il reste encore beaucoup à faire en matière de développement de l'industrie, notamment les actions menées à la base pour la réalisation de la construction économique et sociale du pays, a déclaré le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation. À l'instar des autres pays africains, Madagascar célèbre la journée de l'industrialisation de l'Afrique. Cette année, le thème choisi a été « Accélérer l'industrialisation de l'Afrique par l'autonomisation des femmes africaines dans la transformation pour un marché intégré ». La célébration a aussi été l'occasion de présenter les stratégies et les actions prioritaires du pays pour l'industrialisation à court et à moyen terme, de susciter une prise de conscience générale et de mobiliser divers partenariats en faveur du développement industriel du pays. Elle entre également dans le cadre de la mise en œuvre du pacte sur l'industrialisation de Madagascar, marquant l'officialisation de la volonté commune du secteur public et du secteur privé d'aller vers une nouvelle ère industrielle. Parlant de transformation pour un marché intégré, le secteur industriel joue un rôle très important dans l'économie malgache. Il contribue à la réduction de la pauvreté et inéluctablement à l'émergence économique du pays à travers la création d'activités génératrices de revenus, le développement de l'agro-business, la promotion de l'entrepreneuriat en général et la promotion de l'autosuffisance alimentaire. La mise en œuvre du projet Tanquet Industrial en application du programme ODOF, One District, One Factory, figure parmi les priorités du ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation. De nombreuses communes, notamment celles rurales, sont encore confrontées à des difficultés en matière de délivrance de certificats fonciers en raison du manque d'équipement, selon les maires, pour faciliter le travail du personnel de ces municipalités, notamment la délivrance de certificats fonciers aux propriétaires terriens. 291 communes ont bénéficié d'une dotation en matériel informatique. Elisa Hermann et Eric Lenefson nous ont fait le reportage. 1 million de cartes foncières ont été distribuées aux propriétaires fonciers qui en ont fait la demande à travers tout Madagascar. Le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers se rapproche de son objectif de distribution de 2 millions de cartes foncières à 2 millions de foyers. Pourtant, de nombreuses communes éprouvent encore des difficultés à délivrer ces cartes foncières en raison du manque d'équipement, notamment les communes rurales selon les maires. Le personnel de certaines communes est obligé d'utiliser, par exemple, les imprimantes de particuliers pour pouvoir faire son travail. Au manque d'équipement s'ajoute le fait que de nombreuses communes n'ont pas encore accès à l'électricité, retardant considérablement le traitement des affaires courantes au sein de ces municipalités. Jusqu'à présent, plus d'un million de cartes foncières ont été distribuées à travers tout Madagascar. Une amélioration des équipements et matériels à utiliser dans le cadre de ce projet pour accélérer la délivrance des cartes foncières au public est nécessaire, a déclaré le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers. Dans cette optique, 291 communes ont bénéficié de matériel informatique permettant de faciliter le traitement des dossiers
relatifs aux demandes de cartes foncières. La remise des équipements tels que des imprimantes, des ordinateurs, des onduleurs, des panneaux solaires a été effectuée au siège du ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers. Le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers et le vice-président de l'Assemblée nationale ont présidé la cérémonie. Et dans le reste des actualités, en Asie du Sud-Est, en Birmanie, des combattants de minorités ethniques opposés à la junte au pouvoir ont annoncé samedi avoir pris la ville de Namcham, dans le nord du pays. Une annonce par la Chine d'un cessez-le-feu obtenu grâce à médiation a été pourtant effectuée le surlendemain. Reportage de France 24. Je me trouve dans une école bombardée le 30 novembre dernier et voici des manuels fournis par l'UNICEF que j'ai trouvé dans les décombres. Heureusement, aucun enfant n'était présent au moment du bombardement qui a eu lieu le soir. Voici le type de bombe utilisée par la junte, une bombe de 230 kilos fabriquée dans des usines en Birmanie. Vous voyez l'ampleur des dégâts pour des bombardements qui ne frappent pas uniquement les armées rebelles, mais bien des civils. Selon les analystes, il s'agit de bombardements punitifs. Le message de la junte serait, vous, le peuple, vous soutenez les rebelles, alors nous allons vous punir. En ce qui concerne les combats, ils se concentrent dans la ville de Loika, qui est la capitale de l'état de Kaya, donc dans l'est de la Birmanie. Plus de 1000 rebelles des armées Karenni, une ethnie majoritairement chrétienne, font face à entre 700 et 900 soldats birmans. J'ai passé les 3 derniers jours dans cette ville. Et les combats sont vraiment intenses, ils ont lieu nuit et jour. Les rebelles qui ont lancé l'opération, l'offensive, le 11 novembre dernier, ont fait de belles prises les premiers jours. Ils ont réussi à s'emparer de lieux stratégiques comme la cour de justice, comme le commissariat principal de la ville. Mais l'armée birmane a envoyé 300 soldats en renfort et aujourd'hui, le rapport de force s'est équilibré. Les combats pourraient encore durer. Pas question pour la junte de perdre cette ville clé, puisqu'elle se trouve à seulement 120 km de la capitale de la Birmanie. Point final à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Au revoir à tous.